passons dans les écoles de police. Et je vous remercie, monsieur. Flag, la police est avec toi aujourd'hui à Paris. Avec toi et pour toi. Depuis 10 ans. Bonjour, vous êtes présent avec l'association FLAG. C'est quoi cette association? L'association FLAG des policiers, gendarmes et GVT, ça regroupe les policiers et gendarmes et après tous les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Et on a étendu ça à toute l'administration qui dépend du ministère de l'Intérieur en termes de sécurité. Donc c'est les douaniers, c'est les militaires, c'est la police municipale. Bon, vous-même, vous êtes dans la police depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Est-ce que ça vous pose un problème de manifester comme ça? Non, je pense que ça a dû être un problème il y a 10 ans qu'elle existe l'association. Maintenant, c'est devenu dans les mœurs. On est accepté depuis 2006 par le ministère de l'Intérieur pour son action contre la lutte contre les discriminations et contre l'homophobie. Donc on n'a pas de soutien de, en tout cas du ministère, on n'a pas de financement, mais on arrive à être autosuffisant et reconnu officiellement. Supposez que pour le grand public, ils peuvent comprendre cette position. Et pas pour le grand public. Ça peut pas vous poser un problème par rapport au public? Justement, on montre une autre image de la police. La population a l'habitude d'avoir une image plutôt répressive de la police. Nous, on nous montre qu'on est, on peut s'amuser en train de sur un char, on a une uniforme, on a un comportement digne, en tout cas, qui représente l'institution. Et puis, on a une sécurité qui est différente aussi. C'est pour montrer qu'on est à l'image de la population. Merci.